Salut à tous les animévores et bienvenue dans ce petit module, voilà, petit. Petite extension de l'émission précédente consacrée ouais. à Mazinger Z, ouais, parce que... Infinity. Comment tu vas? Ça va très bien. Donc peut-être avez-vous vu Mazinger Z qui est sorti au cinéma, j'espère. Oui, ouais. Voilà, j'espère. En tout cas, on va vous proposer de revenir sur les œuvres animées inspirées de l'œuvre de Gonagai, indispensables, d'accord? Ouais. Le best, quoi, le top. Ouais, vraiment, il y en a eu beaucoup, beaucoup, on s'est dit, on sélectionnait voilà, les meilleurs. Donc la première œuvre, ce sont les OAV de Devilman. Oui, OAV de Devilman, pourquoi? Parce que c'est l'adaptation la plus proche du manga original. Oui. C'est sombre, ouais. c'est du sang. Il y a les 3B, j'ai envie de te dire. Il y a les 3B. Regardez l'émission. Voilà, c'est ça. Il y a les 3B. Puis, c'est vraiment dur. Ils ont fait une dizaine d'années après Amon. Ouais, ouais. Concluait. Mais oui, c'est super beau, c'est bien animé, c'est bien foutu. Ils sont voilà. durs, ces OAV, ils sont vraiment, vraiment durs, c'est magnifique. Voilà. Toujours dans cet esprit poétique, oui, Violence Jacques. Enjoué. Voilà. Non, Violence Jacques, ouais. Donc, issu d'un manga qui était. Une sorte de méta-univers de tout ce que faisait Gonagai. Ah. Là encore, on est dans les 3B, là encore, on est dans une adaptation pas fidèle, mais dans l'essence même de l'auteur, on en est proche. Donc c'est du post-apocalyptique qui fait passer Okuto no Kai pour Joséphine Ange Gardien, clairement. C'est ça, mmh. Oui, voilà. C'est mais gentil, c'est sans concession, c'est voilà. incroyable. Il y a même de la mosaïque, tout ce qui est sexe est censuré au Japon. Ouais. Voilà. Et bien là, dans Violence Jack, c'est peut-être l'un des premiers animes, on va dire, vidéo d'un grand auteur avec de la censure. Parce que c'est... Ah oui, ouais, mais ouais. Parce que c'est de l'OAV aussi, il y avait beaucoup voilà. plus de liberté, comme l'OAV voilà. de Devilman, il y a quand même des seins hein, qui ont des dents, en fait, c'est incroyable. Enfin, c'est parfait, c'est la scène de la boîte. La scène de la boîte voilà. est incroyable dans Devilman. Et Violent Jacques, vous avez, mais... En fait, ils ont brillé en imaginaire pour créer les morts. Tu sais, les scènes d'action, oh, c'est incroyable. Et ce n'est pas con. Parce qu'on vous dit que c'est le kiff et tout, c'est violent, c'est sympa. Non, c'est... Parce que c'est proche de l'auteur. Et il y a une ampleur dramatique extrêmement dense. Hein. Voilà. Troisième. Vas-y, parce que ça, c'est vraiment ton Mazinger préféré. Voilà. Alors, le Shin Mazinger N Impact. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une réimagination du Mazinger original, mais là encore, on reprend le reboot manga du Zeta Mazinger pour le retranscrire en animation. Voilà. J'ai qu'une chose à dire, regardez l'émission parce que vous en voilà. parle dans justement le récapitulatif. Allez-y parce que c'est vraiment génial. ensuite, on va venir sur quelque chose qui sort un peu plus des sentiers battus et qui est édité en France en plus. Oui. Bomber X, série de marionnettes. Oui, parce que je pense que Gonagai a grandi avec les séries de marionnettes de Ginga Shinobitai, de la NHK. Ah oui, je vous invite à revoir les modules de Tokuscope. Parce qu'ils ont fait une super émission sur tout ce qui était marionnette de la NHK. Mmh. Voilà. Mais voilà, il reprend toute cette ambiance-là, mais en la mettant avec son univers à lui. C'est super riche, Bomber X, quand même. Hein. Ah voilà. Ouais. Alors, on n'a pas de VO sur le DVD français. C'est que la VF hein. Ouais, c'est que de la VF. Mmh. Mais visuellement, c'est très riche. Ouais. Voilà. Allez-y, c'est bien animé. C'est de la marionnette, c'est du live. Hein. C'est des effets spéciaux qui sont directs. Et généralement, on est assez limité niveau cadrage hein, quand c'est la marionnette. Et vraiment, là, mais les maquettes sont super belles. En plus, t'as un équipage, donc qui dit équipage dit on se referme, c'est des sortes de bicles. C'est vraiment bien, ça marche très bien. Non, puis les séquences d'action sont belles. Enfin, elles sont super belles. C'est vraiment bien. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir sur quelque chose de plus doux. Cutie Honey, d'accord. Oui. Donc la série de 1973, voilà. qui produit par la Toei. Qui est produit par la Toei juste après Mazinger Z. C'est ça. Et c'est un petit bijou. On est dans une série qui est industrialisée, j'ai envie de te dire. Oui, et pourtant, c'est psychédélique à donf. Et il n'y a pas de banque d'images. Oui, voilà. Alors, vous savez tout ce que c'est la banque d'images, c'est qu'on réutilise tout le temps les mêmes images. C'est leur moule, la transformation, les Magical Girls. Et justement, les transformations, voilà. Voilà. Chaque épisode en a une séquence de transformation différente, avec un costume différent. Et c'est ça qui fait la force de la série. Ouais. Dans une série, on standardise. Regardez, dans City Hunter, tout le monde porte les mêmes tenues. C'est tout le temps les mêmes images qui reviennent. Là, c'est très différent. Chaque épisode, t'as une nouvelle ambiance, t'as un nouveau costume, t'as un nouveau métier et c'est génial. Mais c'est super. Hein. Et quand je vous dis que c'est psychédélique, c'est vraiment ce qu'on laisse des petits carreaux sur le pas. Ouais, c'est parfait, c'est nickel. Vous avez des décadrés de partout. Enfin, c'est ultra stylisé. 73. Et pour les 73. Ultra 73. Moi, je pense que c'est la moins édulcorée ouais. de l'univers de Gonagai parce qu'ils se sont. Honey Flash, c'est bien. Alors, il y a une autre série qui est pas mal aussi. C'était Rokuto Yoni, qui était produite par Gainax et Anno, qui reprend
trois ambiances totalement différentes sur une série d'OAV. C'est vrai. Voilà. Et, trois OAV. Voilà. Avec trois ambiances totalement différentes et des designs totalement différents. Ouais, ils sont... Voilà. Ça, c'est vraiment, on va dire, le haut du panier technique, parce que c'était vraiment très beau. Si je devais choisir une série à regarder sur QT Oni, je regarderais celle de 73. Mais si j'avais le choix entre deux, je prendrais que ces deux-là. C'est vraiment parfait. Ouais, voilà. C'est ça, bien. Ça résume bien. C'est une... Il a bien modernisé l'œuvre. Ouais, c'est très bien. Donc voilà pour le top. Et puis un petit truc, parce qu'on ne peut pas le mettre dans le top, parce que c'était une création duo avec son grand protégé, Kanishikawa. C'est en rapport avec Getter Robot. Voilà. Juste pour vous dire, Getter Robot, c'est une œuvre où Go Nagai aussi il a travaillé dessus, qui a une importance incroyable. Il y a Mazinger au Japon, et Getter Robot est très connu aussi là-bas. Très connu, c'est cultissime. Oui, voilà. Il y a eu Mazinger Z, Great Mazinger, il y a eu Getter Robot parallèle de Great Mazinger et Getter Robot G, d'accord, voilà, qui était aussi une série de commandes là. Voilà, bien sûr. Voilà. Mais voilà, il y avait une ampleur parce que d'une part c'était plus dramatique. Trois pilotes conduisaient un vaisseau. Voilà. Donc c'est la première fois qu'on voyait trois vaisseaux qui s'associaient pour faire première fois, ouais. C'est vrai. Donc bien sûr, on vend du jouet, bien entendu, mais c'est beau, c'est vraiment très beau. Il y a une dimension beau. Dramatique, et puis, il fallait le faire, de perdre un des pilotes. Oui, c'est la marque de la, ouais, de la série. Après, vous avez eu d'autres séries, Getter Robot Armageddon, Shin Getter Robot, c'est fou, c'est excentrique. Franchement, si vous devez voir un seul truc de Getter Robot, si vous ne pouvez pas voir la série des années 70, allez voir. Getter Armageddon. Armageddon, merci. Ouais, Getter, série 98, série d'OAV, 13 épisodes. Alors, tout comme Infinity, ça prend quand même en compte les deux d'avant, mais, en fait. Mais ça prend la patte de Ken Ishikawa. Oui, totalement, ouais. Voilà. Et alors là, vous allez voir, par exemple, la différence entre Toei Zinger, et donc Dynamic, qui est plus en roue libre, parce que les pilotes, c'est juste des psychopathes. Ouais. C'est juste des dingues. Et encore plus dans la série qui a été réalisée 4 ans après, Shin Getter Robot, où là, c'est des dingues. Ils se repèsent du sang qu'ils font couler, c'est incroyable. On a le retour de la spirale dans les yeux. Mais c'est vrai, c'est satanique à donf. C'est vraiment super. Voilà. En tout cas, voilà, ça, ce sont les œuvres. Petit module, juste pour vous guider, si vous avez envie d'être enrichi par rapport à l'univers de Go Nagai, mais en animation. Voilà, vous avez un petit top, vous avez un petit aparté, j'ai envie de te dire, à côté. Donc, il n'y a plus qu'à. Allez, salut les amis. Voilà. Et bon animé. Ciao.